août 2022, date à mémoriser pour l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie dans la capitale Kinshasa. Deux sites sont retenus pour abriter les villages, le stade des Martyrs et celui Tata Raphaël. Pour se rendre compte de l'effectivité du lancement des travaux, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, accompagné de ses collègues des ITPR, Alexis Guissarou, et de Culture et Arts, Catherine Katungu, ont effectué une descente sur terrain ce mercredi. Accueillis par Didi Chioyo, au représentant du chef de l'État, les ministres vont recevoir les explications, étape par étape. En partant du site d'hébergement, chantier le plus coûteux et le plus exigeant qui demande beaucoup de travaux à ce jour. Donc ici, on est sur le site d'hébergement de 12 bâtiments. Le lieu qui va abriter le gymnase de tennis de table, l'arène pour la lutte africaine, avec une capacité de 150 places assises. Ça, c'est la perspective, ça, c'est la vie en plan. Nous avons créé juste, on a lancé les études à l'office des routes. Après, on a fait sortir le plan de fondation. Et l'endroit où sera érigé le kiosque, une manière de conserver le côté authentique de l'histoire du stade Tata Raphaël. Le site du stade des Martyrs va abriter un gymnase jumelé de basketball. Le stadium des Martyrs est méconnaissable, l'ancien tartan est détruit. Ici, la capacité d'accueil sera améliorée et passera à 10 000 places assises. Cette visite a eu comme point de chute le stade des Martyrs qui subit déjà des travaux d'entretien depuis quelques jours. Le constat est tel que les travaux évoluent à grands pas. Tout ce qu'on visitait, le site est belé, au Binomoko Bomoni. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, et le premier ministre Nabiso Sama Lukonde Azokamba. Tout ça, il m'a cassé, tout ce qui est le moyen de se on a reçu na bakinwa nyonso ezali ndeko soutenir jeu à francophonie to sunga ba infrastructure oyo po misolo ebele ekei na organisation ya jeu à francophonie pona lokumu ya Congo na biso. Rien n'est fait à moitié. La beauté du stade ne concerne pas seulement l'intérieur, mais aussi l'extérieur. D'où la construction de ces caniveaux pour canaliser les eaux de pluie.